Salut tout le monde, c'est Sandy. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale parce que demain, je m'en vais me faire couper les cheveux. Puis, j'envisage fortement une teinture. Je sais pas trop encore ce que je veux, mais ce que je sais, c'est que je suis tannée de ces cheveux. Donc, je voulais comme vous montrer ça parce que veux, veux pas, ça va paraître dans mes vidéos. Donc, voici l'état de mes cheveux actuels. Fait que c'est comme long. Là, ils sont comme ondulés parce que j'avais une tresse dedans aujourd'hui. Puis, tu sais, moi là, autant que c'est quand même beau, ok? Autant que je m'endure pas ça long là, en travaillant. J'ai chaud, quand t'as les enfants, c'est tout dans le visage, là, moi ça m'énerve. Et donc, avant j'avais un toupette, vous vous rappelez peut-être un petit peu au début. Ben, mon toupette, il a poussé, ce qui fait que là, je suis obligée de l'attacher comme ça. Fait que je finis toujours de la même façon, soit attachée comme ça, avec une couette ou une tresse comme ça ici qui pend. Puis, c'est ça, je suis tannée. Fait que là, j'ai pris rendez-vous demain, 15h. Puis là, je voulais juste vous montrer mon toupette que ça a l'air d'être quoi, là. Fait que là, j'hésite vraiment entre, mettons, me refaire un toupette, OK? Là, il est super long. Ou pas. Ou plutôt comme une frange, ou plutôt comme, tu sais, faire pousser ça normal. C'est vraiment laid parce que c'était coupé droit, là, puis j'ai comme fait aucun entretien là-dessus, là. Et chose certaine, je vais au moins enlever probablement ça ici, là, à peu près. Moi, ça me fait pas très bien court comme ça, là. Fait que je vais sûrement enlever ça à peu près. Puis, c'est ça, j'envisage peut-être une teinture, peut-être plus dans les tons comme blond châtain. Naturellement, je suis assez comme châtaine comme ça, peut-être un petit peu moins cuivrée, là. On dirait qu'avec le soleil, ça l'a fait ça. J'ai été quand même brune foncée comme les dernières, les premières vidéos sur ma chaîne ou les dernières vidéos que vous avez peut-être vues là, il y a quelques mois. C'est ça, c'était comme une teinture un petit peu brun, pas trop foncé. Fait que là j'hésitais entre brun ou comme plus vers le blond. Fait que ça me tente peut-être d'essayer vers le blond. Fait que, tu sais, j'y regarde de même, je suis comme, ah ben non, ils sont beaux mes cheveux. Non mais je suis tannée là, c'est trop long, ça pogne partout. Fait qu'en tout cas tout ça pour dire que je vous refilme demain en arrivant donc de la coiffeuse, de quoi ça a l'air, puis voilà, hein, c'est excitant, à plus! Salut, c'est moi! J'ai enfin terminé mon rendez-vous sur la coiffeuse, j'ai vraiment enfin, il est rendu presque 7h là, du soir. Voilà ce que ça donne. Donc... ils sont plus courts et plus blonds. Là, ça va comme mal vous le montrer. Vraiment. Je sais pas comment vous le montrer. Mais moi, ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, vous allez le voir de toute façon dans les prochains... Ah, comme ça. Dans les prochaines vidéos. Dans le fond, c'est comme un ombré qui appelle. Fait que c'est du châtain cendré blond. Honnêtement, j'aurais aimé ça, je pense, avec encore quelques mèches plus blondes au travers. Mais d'un autre côté, ça c'est plus naturel, fait que j'aime peut-être mieux ça. Fait que là, mes a ondulé comme ça, on verra, de toute façon dans la vie de tous les jours, là, je mes ondule pas comme ça, fait qu'on verra avec, dans le fond, ma peignure habituelle. Fait que voilà! Ciao tout le monde!